On est loin dans le bois. On a marché quoi? Deux jours pour notre chemin. Je crois qu'on est sur le bon chemin. On a enfin trouvé de l'eau, un bon coin potable. Fait que tout ce qui est point d'eau est important à notre survie. Il y a de la mousse! Ça veut dire que le nord est par là! Par là? Ouais! T'es sûr de ça? Ouais! Rien. On trouve tout sur notre chemin. Technique de combat. Prends une branche, tu taponnes. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Quoi? Situation extrême. Oh non. Quelle hauteur. Situation extrême là, qu'on risque le maximum notre survie. Quand l'instant va, peut-être tout pour survivre. Ah! Oh non! Frank! Frank! Je dois te masser les testicules! Oh non! Oh non! Tu vas être capable, François! Tu vas être capable! C'est extrêmement haut! Faut que je risque le tout! Faut que je passe! Faut que je trouve une source de lait à quelque part! Oh! Je vous ai échappé! Vous y échappez. Oui. Oui. Oh, on veut voir. Je crois qu'on a trouvé notre source de vie. On a trouvé des habitations en deux dans le fond.
espèce de plante vraiment rare. Quoi? Oh! Il faut voir, c'est un Connecticut à feuilles blanches. Une espèce très rare. Normalement, on en trouve à peu près une à toutes les 50 km. Puis c'est une plante, une petite commenteuse. C'est une plante médicamenteuse si vous avez des blessures, tout ça, comme mon ami Pépé, il saute là. Donc, t'as juste ta blessure. Regarde! Qu'est-ce que je fais? Je prends la plante. Ce que je fais, c'est ça. Ah! Je suis malade! C'est sûr, certains qui ne poigneront pas la gangrène, qui ne perdront pas sa jambe. Pensez à cette plante-là, le Connecticut à feuilles blanches. Très rare. Attention aux araignées. Chikurette et Pépé, mon survival mode. John Paper. John Paper. Junior et Chikurette. Survival 101.